Ghana en 1957, avant l'indépendance. Jean Rouch tourne un documentaire, Les Maîtres Fous, sur la religion des Hauka. Chaque année, les membres de la secte se réunissent pour fêter. Ils sont possédés. Possédés par des dieux qui s'appellent le gouverneur, le secrétaire général, la femme du gouverneur, le général, la femme du docteur. En 1957, le Ghana, c'est une colonie britannique. Quelques rois nègres pour faire semblant, mais les vrais maîtres sont anglais. Une colonie avec tout le kit, Union Jack, God Save the Queen, perruque, cornemuse, puis la face de la reine en prime. Ici, on connaît. La religion des Hauka reproduit le système colonial en plus petit, mais à l'envers. Les colonisés se déguisent en colonisateurs, les exploités jouent le rôle des exploiteurs. Les esclaves deviennent les maîtres. Une fois par année, les pauvres mangent du chien. Une fois par année, les fous sont maîtres. Le reste du temps, les maîtres sont fous. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur, avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants-gouverneurs des 10 provinces, des hommes d'affaires, des juges, des Indiens de centre d'achat, des rois nègres à peau blanche qui parlent bilingue. Comme au Ghana, on célèbre le vieux système d'exploitation britannique. Mais ici, c'est à l'endroit. Ici, les maîtres jouent le rôle des maîtres, les esclaves restent des esclaves. Chacun à sa place. President of the Beaver Club, it is my privilege to welcome you to the 27th annual dinner of the Beaver Club, celebrating this year the 200th anniversary of the Beaver Club in Montreal. Sont réunis ici ce soir dans cette illustre enceinte des personnalités dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité, puisqu'en fait, à cette table, ils sont tous honorables en titre. Mais rassurez-vous, ce soir, exceptionnellement, ils redeviennent tous humains et les règles du protocole sont dès maintenant abolis. Avant de ce faire, j'ai reçu, il y a quelques instants, a few minutes ago, this telegram. I am very sorry that I am unable to be with you tonight, but I am pleased to be able to send congratulations on the occasion of these anniversaries. Je vous souhaite à tous une soirée agréable et au Club Beaver beaucoup de succès dans les années à venir. The Right Honorable Brian Mulroney, Prime Minister of Canada.
Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est la conquête anglaise de 1760. Par la force des armes, les marchands anglais s'emparent du commerce de la fourrure. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, McKenzie. C'est ça le Beaver Club il y a 200 ans. C'est la mafia de l'époque. Ils achètent tout. Les terres, les honneurs, les médailles, le pouvoir. Tout ce qui s'achète. La gang de la fourrure forme lentement l'élite de la société. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Ils blanchissent l'argent sale en devenant banquiers, seigneurs, politiciens, juges. C'est ça le Beaver Club au début. 200 ans plus tard, leurs descendants, devenus tout à fait respectables, font revivre cette fête par excellence de l'exploitation coloniale. Le gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale du papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administrateur de Bombardier, d'Industrial Insurance et gouverneuse générale. Marc Lalonde, ancien ministre des Finances, maintenant au conseil d'administration de la Citibank of Canada. Francis Fox, ministre des Communications, engagé par Astral Communications. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumée en roi nègre biculturel. C'est là. Des boss puis des femmes de boss. Des barons de la finance, des rois de la pizza congelée, des mafiosos de l'immobilier. Toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité. Des charognes à qui on élève des monuments. Des profiteurs qui passent pour des philanthropes. Des pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles. Des bonnes femmes au cul serré. Des petites pilotes qui sucent pour monter jusqu'au top. Des journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles. Des avocats véreux, costumés en juges à 100 000 par année. Des liches-culs qui se prennent pour des artistes. Toute la gang est là. Un beau ramassis d'insignifiants. Chromés, médaillés, cravatés. Vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher. Sont riches puis sont beaux. Affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches puis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent. Une fois par année, les pauvres imitent les riches. Ici, ce soir, les riches imitent les riches. Chacun à sa place. Les bourgeois anglais se déguisent en bourgeois anglais. Les collabos bilingues s'habillent en collabos bilingues, souriants et satisfaits. Les Écossais sortent leurs jupes écossaises. Les Indiens se mettent des plumes dans le cul pour faire autochtones. On déguise les Québécois en musiciens et en waiters. Les immigrants, ben comme les Québécois, en waiter, chemise à carreaux et ceinture fléchée, manque juste les raquettes et les canisses de sirop d'érable, les porteurs d'eau déguisés en porteurs de champagne, alouette, gentille alouette. C'est toute l'histoire du Québec en raccourci, toute la réalité du Québec en résumé, claire, nette, pour une fois, comme grossie à la loupe. Ce soir, les maîtres fêtent le bon vieux temps. Ils fêtent l'âge d'or et le paradis perdu. Ils crient haut et fort, sans gêne, leur droit au profit, leur droit à l'exploitation, leur droit à la sueur des autres.
Ils boivent à leur succès. Ils chantent que tout va bien, que rien ne doit changer, que c'est pour toujours. Toujours au même, toujours les mêmes. Ils sont pareils partout, à New York, à Paris, à Mexico. Je les ai vus à Moscou vomir leur champagne et leur caviar sur leurs habits Pierre Cardin. Je les ai vus à Bangkok fourrer des enfants, filles ou garçons, pour une poignée de petits changes. Je les ai vus à Montréal dans leurs bureaux, avec leurs sales yeux de boss, leurs sales voix de boss, leurs sales faces de boss, hautains, méprisants, arrogants. Les crottés avec leurs chemises blanches et leur aqua velva, minables avec leurs Mercedes et leurs raquettes de tennis ridicules, comme des rats morts, gras et épais avec leurs faces plates puis leurs party de cabane à sucre, pleins de marde jusqu'au bord à force de bêtises et de prétentions, crosseurs, menteurs, voleurs, et ça se reproduit de père en fils, une honte pour l'humanité. Les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent du pauvre. Et ils prennent leur air surpris quand on en met un dans une valise de char. Ensemble, merci au chef. Nos applaudissements, nous lui disons merci. Ladies and gentlemen, together, let's thanks magnificently. Bravo! Et maintenant, as president of the Beaver Club, may I say to you the following. Never any club has been so honored and so magnificently rewarded on its 200th anniversary to have such a magnificent membership as you are. À vous tous, nos membres, à nous tous, applaudissons-nous. We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! You are as beautiful as I think I am. Thank you very much. Good evening, Bravo. Good night. Everyone gets, that's right, bravo. Applaudissons-nous, we are magnificent people. Quelle bouffonnerie. God bless you. You do not deserve it, but I will give my best to try to save you. Good evening.